Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons regarder comment prendre soin des douleurs du corps autrement, en trois étapes. Alors pourquoi autrement ? C'est autrement que par des médicaments donc allopathiques ou des soins naturels, ce qui est aussi bien et vous pouvez aussi vous en occuper, mais moi je ne vais pas parler de ça dans cette vidéo, je vais parler plutôt de qu'est-ce qu'on peut faire en plus ou à côté, hein, ou à la place, ça c'est vraiment à vous de voir. Comment est-ce qu'on peut faire avec notre conscience déjà ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les douleurs de notre corps ? Alors, eh bien, la première étape, évidemment, on va utiliser la pleine conscience que nous avons tous, hein, comme capacité, comme qualité à l'intérieur de nous. Donc, première chose, c'est déjà de reconnaître où est la douleur, de l'identifier, de la nommer, avec une attitude de permettre, autoriser que cette douleur soit là. C'est-à-dire on arrive avec notre conscience sur la douleur et on arrive avec une conscience non jugeante qui ne cherche pas à rejeter la douleur ou à s'en débarrasser le plus vite possible. Là, c'est vraiment autrement. On va faire, on va arriver avec une neutralité bienveillante, un amour bienveillant, comme une mère qui arrive et qui va donc prendre conscience de là où est la douleur. Donc je vous propose qu'on fasse les trois étapes ensemble. Donc vous pouvez fermer vos yeux, même si vous n'avez pas vraiment de douleur très marquée aujourd'hui, peut-être que vous avez des petits inconforts. Vous allez voir, on peut tout à fait le faire avec aussi des inconforts dans le corps. Donc je vous propose de fermer vos yeux. Moi je vais les garder ouverts pour la vidéo. De prendre une posture digne, non rigide, voilà, avec votre colonne vertébrale droite, votre tête alignée. Prenez déjà conscience des points de contact de votre corps avec le sol, le support où vous vous trouvez. Et puis, posez votre attention sur votre respiration. Par exemple sur votre ventre qui gonfle et qui dégonfle avec la respiration, avec votre inspire et votre expire. Et puis là, vous allez vraiment rentrer à l'intérieur de vous et faire une sorte de scan corporel assez rapide. Vous allez regarder là où une douleur vous appelle. En gros, ça va être voilà, là où il y a une douleur plus ou moins forte. Ça peut être aussi donc un inconfort. Voilà, vous allez vous poser dessus, vraiment avec cette attitude de conscience bienveillante. Donc vous l'identifiez. Où est-ce qu'elle est cette douleur ? Est-ce que ça tire ? Est-ce que ça pousse ? Est-ce que c'est lourd ? Voilà, juste donnez-lui des qualités, reconnaissez les qualités qu'elle a. Okay. Et autorisez-la à être là, puisqu'elle est là, ici et maintenant. On n'est pas en train d'autoriser à ce qu'elle soit là tout le temps. Ici et maintenant, elle est là, donc on permet au fait qu'elle soit là. Et ce que je vous propose dans un deuxième temps, c'est d'imaginer que vous rentrez en lien avec vos cellules. Puisque effectivement, dans la réalité de votre corps, il y a des cellules. Évidemment, elles sont pas visibles à nos yeux, hein, puisqu'on est recouvert de peau. Donc on ne les voit pas. Elles sont donc invisibles, donc ça va demander un peu d'imagination. Mais il est un fait que nous avons des milliards de cellules qui œuvrent pour nous sans arrêt, pour nous défendre, pour éliminer des intrus, pour rétablir des équilibres s'il y a des équilibres, pour enlever la douleur, la maladie. C'est vraiment, elles œuvrent sans arrêt pour digérer, pour respirer. Voilà. Donc je vous propose de rentrer en contact avec les cellules qui s'occupent de la zone douloureuse.
comme si c'était des êtres, parce que c'est pas parce qu'elles sont toutes petites, infiniment petites, qu'elles n'existent pas. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas avec nos yeux qu'elles n'existent pas, parce qu'elles sont là. Donc c'est juste un... Voilà, on va faire un exercice d'imagination pour rentrer en contact avec les cellules de cette zone douloureuse et de leur envoyer de l'amour, de leur envoyer du soutien. Un peu comme un coach, vous voyez. Vous devenez le coach de vos cellules, de cet endroit. Vous les soutenez. Exactement comme vous, dans un macrocosme plus grand qu'une cellule, vous avez tout à fait besoin d'être soutenu, d'être aimé, surtout et si vous faites un effort particulier, voilà, et que vous traversez une épreuve. Hein. Comme les cellules là qui traversent cette épreuve, qui sont hyperactives à ce moment-là d'une douleur. Hein. Voilà, je vous laisse faire. Si vous n'avez pas vraiment de douleur, donc ça peut vraiment être juste un... Vous sentez, c'est pas une douleur, c'est pas complètement fluide. Hein. Par exemple, dans vos intestins, les intestins, c'est toujours bien d'y aller. Et vous allez soutenir vos cellules. Vous soutenez l'équipe de vos cellules. Ok. Et dans une troisième étape, je vous propose de faire avec vos mains. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire. J'ai découvert, c'est pas moi qui l'ai inventé de toute façon, hein, parce qu'on n'invente vraiment rien, hein, ça tout nous appartient à tous. Voilà. Donc, vous pouvez frotter vos mains, parce que les mains, c'est vraiment quelque chose de formidable. Il y a énormément d'antennes dans les mains. Donc, elles sont aussi conductrices de cette énergie. Il y a beaucoup de gens qui guérissent avec les mains depuis des millénaires. Ce n'est pas un hasard. On fait beaucoup, beaucoup de choses avec nos mains. Il y a beaucoup de capteurs sensitifs sur nos mains. Donc, par exemple, vous pouvez tout à fait imaginer que vous chargez vos mains eh bien, sur la terre, hein, sur le sol, et vous vous chargez avec la terre. Hein. Le mieux, c'est d'aller dans la nature ou juste sur un petit bout d'herbe, voilà, directement sur la terre. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas grave non plus, vos mains elles sont chargées, voilà, vous pouvez les charger en les frottant. Et vous allez vraiment ressentir à quel point il y a de l'énergie et de l'amour dans vos mains. Et vous allez pouvoir poser vos mains sur la zone où il y a de la douleur, évidemment si c'est atteignable, parce que si c'est en haut de votre dos, ça, c'est plus compliqué. Voilà. Mais je vous propose de faire ça. Et quand bien même vous avez par exemple une zone qui est inatteignable, vous pouvez tout à fait poser... Je vais faire attention au micro. Vous pouvez poser vos mains à travers pour envoyer du soutien et de l'amour à la zone douloureuse qui est inatteignable. Hein? Il y a toujours possibilité. Voilà. Puisque c'est une question d'intention. Là, c'est vraiment un travail sur l'intention. Un travail d'imagination aussi. Hein? Puisque, encore une fois, on n'est pas avec des choses visibles, mais qui sont réelles et qui existent bien. Voilà. Ok ? Donc... On fait avec les mains, on frotte, ou on pose les mains sur le sol, comme une prise, hein, prise de terre, hop, et vous allez poser vos mains là où il y a de l'inconfort. Et juste vous respirez. Toute la chaleur de vos mains, l'énergie de vos mains, l'amour de vos mains va pouvoir être... apporté, hein, par conduction comme ça, vers l'intérieur, là où il y a de la douleur. Ça aide, ça peut soulager énormément. Voilà. Évidemment, tout ça est très intéressant à faire régulièrement. Voilà. Moi, je découvre les impacts de ça, parce que c'est évidemment un changement dans notre état d'esprit, puisque d'un coup, on devient beaucoup plus responsable, hein, de notre santé. Et aussi beaucoup plus en contact avec notre corps, avec nos cellules, qui est très intéressant parce que voilà, on a tendance à ce qu'on ne voit pas, on ne s'en occupe pas, c'est automatique. Et en fait, si on met de la conscience, on peut vraiment aider les cellules de façon assez incroyable. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent sur la planète là-dessus, hein, qui œuvrent de cette façon-là, et c'est très intéressant. Voilà. Ok. Et puis quand vous avez terminé, bah, vous pouvez... rouvrir vos yeux et
Et regardez comment vous vous sentez, regardez comment cette zone se trouve. Vous n'avez pas non plus essayé de absolument vous en débarrasser, de faire ce protocole pour que ça s'arrête, hein, parce qu'il faut faire attention aussi à ça. C'est juste être là, donner de l'amour, et puis le reste, avoir confiance. Voilà. Et je vous propose, si vous voulez aller plus loin dans le lien avec votre corps, le lien avec vous-même, vraiment dans une réconciliation totale avec vous-même, eh bien d'aller regarder ma formation en ligne qui est disponible dans les liens sous la description, sous la vidéo. Voilà. Et moi, je vous dis à tout bientôt avec un immense plaisir.